vous bénisse. May the Lord bless you. Prions un moment. Let us pray. Bien-aimé Père Céleste, Blessed Heavenly Father, que sois infiniment reconnaissant. We're so grateful. Merci pour ta garde. Thank you for your guard. Merci pour ta protection. Thank you for your protection. Merci pour le souffle de Thank vie. You for the breath of life. L'occasion qui nous réunit dans ta the présence. The occasion that gathers us in your presence. Nous voulons passer à l'écoute de ta As parole. As we're about to go to the reading of your listening of your service, word, Père. And now it is for the service, Father. Oui, aussi l'auditoire. Anoint the auditorium. Transporte-nous dans les lieux célestes Translate en toi, Jésus. Translate us into the higher places in your Dispose Christ Jesus. Dispose nos âmes. Get our souls. Nos esprits. And our spirit et nos êtres, Seigneur, pour une application de cette phase de ta parole en nous, et même parmi nous, Seigneur, et à ta gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er. Genesis chapter 1. Je lis le verset 26. I'm reading verse 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu le bénit et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre et toute arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Then God said, Let us make man in our own image, after our own likeness. Let him have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God. He created them, him, male and female, he created them. Then God blessed them and said unto them, Be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth. And God says, See, I have given to you every herb that you would see it, which is in the face of all the earth, and every tree whose fruit you would see it to you, and it shall be food unto you. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole vraiment. Nous continuerons à ajouter quelques écritures. We'll continue to add some scriptures. Prenons d'abord 2. But let us take 2. Nous sommes au chapitre 2, verset 7. Or chapter 2, verse 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qui l'avait formé. Et l'Éternel dit, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. The Lord planted a garden eastward in Eden, and there abode the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree to grow that was pleasant to sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, even the tree of the knowledge of good and evil. Le verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De par le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Then the Lord God took the man whom he had formed and put him into the Garden of Eden to till and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you freely to eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For the day that you shall eat, you shall surely die. Je vais travailler deux choses cet après-midi. And I work on two things this afternoon. Si le temps me permet, je if vais the time si would allow me, if I can add the third one. J'ai besoin d'y aller d'une manière un peu comme à l'école de dimanche. I would like to take it like a Sunday school lesson. C'est un point un peu très compliqué à la compréhension humaine. Because it's a very complicated point to the human understanding. Mais que Dieu nous aide à assimiler ça, surtout pour l'application de la marche du salut. But may God help us to understand that, especially for the steps of salvation. Okay. Je commence d'abord avec le premier point. I'm beginning with the first point. Vous remarquerez que ces deux écritures que nous avons lues, there's two scriptures that we come from. Ça ne donne pas toujours bien. Il y a deux hommes. There are two men. Parce que je vais aller directement au but. Et ceux qui ont écouté la prédication de dimanche, faites attention parce que chez nous, on aura de détails plus que ce qu'on a donné dimanche. We'll have more details than what I gave on Sunday. Nous remarquons ici deux hommes. And now we notice two men here. Le premier homme est créé. The first man is created. Il dit, l'Éternel dit à un pluriel, il dit, faisons l'homme à notre image, man in our own image et notre ressemblance. In our own likeness. Et si vous avez, comme je dis, on ira comme l'école de dimanche. And I say we'll go like a Sunday school lesson. Dans Genèse chapitre 1er, that in Genesis chapter 1, verset 26, verse 26 et jusqu'au verset 29 que nous avons lu aujourd'hui, nous avons l'homme créé. That we've got the created man. L'homme a été créé. The man that was created. Et dans la compréhension spirituelle and in the de la spiritual Bible, understanding of the Bible, depuis le premier exode, since the first exode, quand Moïse, Dieu l'a transporté dans la vision, when Moses was carried in the vision, il s'est arrêté au commencement. He stopped at the beginning. Et ce que nous appelons la Genèse. What we call Genesis. Mais faites attention, dans notre temps, pay attention in our time, nous avions fait remarquer de dimanche que la vision prophétique de notre prophetic temps, vision of our time, Dieu transplante le prophète dans une vision into a où il voit au-delà de la Genèse. So beyond Genesis. Il voit qu'est-ce qui était avant and même les commencements. Moïse a vu de points prophétiques jusqu'au commencement. Up to the beginning, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. The mais les visions prophétiques de notre temps, l'œil prophétique de notre temps, va nous transplanter plus loin que la Genèse. Et avant qu'on y arrive, and when before we get there, comme nous voulons parler d'abord au niveau de l'humanité de l'homme, like to mankind, quand Moïse voit Genèse chapitre 1, when à la création de l'homme, at the creation of man, et parfois les Juifs appellent ça les livres de création. They call this the book of creation. Parce que ici, Dieu est en train de créer. Because God is creating here. Et cette création, in this creation, il dit faisons au pluriel. He said, let us make. Et nous appelons ça le pluriel royal. We call this the royal plural. Il dit faisons l'homme à notre said, let us image make man in our own image et à notre ressemblance. And in our own likeness. Pour ce que notre je mets seulement image. And I just put an image. Et ressemblance. En anglais c'est likeness. Bon, maintenant le problème c'est que. But now the problem is. À qui est-ce que Dieu s'adresse? To whom was God speaking to? Je sais que j'ai déjà résolu ça. And I already talked about that. Avec question-réponse sur la Genèse. With question and answers on Genesis. Dieu parlait au conseil de la divinité. That God was speaking to the là, vous comprenez qu'avant la création de l'homme, before the creation il y of man, avait déjà une that autre was création. Already another il y avait creation. Déjà des êtres. There was already other et le prophète nous a dit qu'il y avait that there was déjà le Fils. Already the Son. Il s'adressa and à son was Fils. Speaking to his son. Faisons l'homme let à notre image man in our own image et à notre ressemblance. After our own likeness. Ça, c'est le livre de la création de l'homme. Book of the creation of man. Pourquoi c'est un livre? What is it about?
world. C'est parce que cet homme créé devait aussi générer. Was also supposed to reproduce. Une génération. To have a generation and et dans cela, and on that, nous donne l'idée d'un livre the idea of a book, d'une généalogie of a genealogy, ou d'une génération or a qui devait découler that was supposed to dans la reproduction de cet homme. Of this man. Mais remarquez, but I noticed, quand nous arrivons au chapitre 2, that when we get to chapter 2, verset 7, verse 7, je lis jusqu'à 9, I read je up to 9, 15 jusqu'à 18, on va voir. 15 to 18, and I will see. Ici, l'homme est formé. Like here, the man is formed. Ça, c'est l'homme formé. This is the formed man. L'homme formé, the formed man, c'est différent de l'homme créé. It's different from the created et appelons man. Ça, and let's call that, le livre de formation. The book of formation. Ça, ce n'est pas la création. It's not the creation. C'est la formation. It's a formation. Il y a des petits détails. There are little details. Que chez nous, nous pénétrons. That home that we go ailleurs, deep. Peut-être, on n'a pas assez de temps maybe pour we en didn't pénétrer. Have time to go deep or somewhere else. Donc, on a ici deux hommes. And now we have two men here. Mais avant que je vous pose la première question, but before I ask you the first qui question, va nous aider maintenant à pénétrer d'autres that détails, would help us to get into other details, l'homme qui avait été créé, that the man that was created, Dieu lui a donné ce que nous pouvons appeler dans chez nous aussi, en Amérique, God donc gave une him nourriture a diet, appropriée. An appropriate diet. Ça, vous n'avez pas remarqué that you've not noticed, au verset 29, or verse 29 du chapitre 1er, of chapter 1, il lui dit, and he tells him, Dieu dit, and God says, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre. The first of the earth. Maintenant, regardez, et tout arbre, and every tree, donc, et tout arbre, and every tree, ayant à l'intérieur de lui in which is le fruit de the l'arbre fruits of a tree, et portant de la semence, yielding seed, et ça sera votre nourriture. And to you it shall be Dieu donna à l'homme créé une sorte God de nourriture. Man. Mais si vous remarquez but bien, if you notice well, l'homme devait manger that the man was à des to arbres. Eat from the herbs. C'est pourquoi je donne ce temps-là. That's why I'm giving that. Et regardez, and I'll see. Au chapitre 2, on chapter 2, je suis au verset 9. On verse 9. Il a donné une nourriture à l'homme créé. He gave an appropriate diet to the created il man. Devait manger that it was supposed to eat. Aux arbres, to the tree. Mais précisément, but precisely, les arbres ayant des fruits et portant des semences dans son sein, il doit manger à ces arbres-là. Maintenant, on nous dit qu'après que l'œil maintenant formé l'homme, that after forming a man, il dit ici, it says here, l'Éternel Dieu fit pousser maintenant du sol des arbres. And out of the ground, the Lord God made every tree la grow. Nourriture de l'homme créé était the des food arbres. Of the created man was the tree. Mais maintenant, il prend l'homme qu'il avait now, créé. He took the man that he had il created. Prend le livre de la création he took the de book l'homme. Of creation there. Il l'incarne dans le livre de formation, dans un corps formé de poussière de terre. Il l'incarne carne l'homme spirituel but the ground and et maintenant and put that in there. Il dit il fait pousser du sol and then he made to grow out of the ground des arbres the trees. Et on nous donne les catégories and des arbres given the category of trees. Remarquez d'abord ce point là point. Avant que j'aille au deuxième before point, I go to the second point il dit Dieu fit pousser du sol see, des out arbres of the ground, the Lord God de toute espèce pénétrons ces espèces là pénétrons ces catégories let's d'arbres go into this category. La première espèce the first kind il dit c'était des arbres was agréables the tree à voir that was pleasant to sight. Est-ce qu'on est ensemble amen. Je vais en vert ici pour que nous puissions avoir l'idée. I put it in green here so that we can have an idea. Les catégories d'arbres. The category of the trees. Or, ces catégories d'arbres. This category. Première catégorie. The first category. Ce sont des arbres these agréables. These are the trees that will accept. Agréables. Pleasant. À la vue. To sight. Ou voir to, or to see
Donc c'est agréable à la vue. Which means you are pleasant to look at. Et si tu continues à saisir ma question que je travaille d'abord, quelle était l'espèce des arbres que l'homme devait manger? Il dit, c'était des arbres agréables à voir. He said trees that were pleasant. Deuxième catégorie. In the second category. Je pense que j'ai réduit un peu la vitesse. I think I reduced you a little bit. C'était des arbres bons à manger. These were trees that were good for food. Les arbres bons à manger. The trees that were good for food. Je fais mal aux anglophones, hein? Parce que j'ai besoin d'aider beaucoup parce que les anglophones, je les ai déjà donné ça. I already give this to the English speaking. Et c'est une révision. It's just a review for them. J'aime d'abord travailler beaucoup plus avec les grandes personnes. I would like to work more with the grown-ups. Et c'est une révision. Il y a une espèce d'arbre bon agréable à voir. There's a kind of a tree that is good for sight. Une autre espèce, ce sont des arbres bons à manger. Another kind, these are trees that were good for food. Donc la première espèce, c'est juste pour la vue. It's just for sight. C'est la deuxième espèce ou catégorie qu'on doit manger. That we need to eat. Regardez deux, troisième catégorie d'arbre. And now look at the third category. L'arbre de vie. The tree of life. Et cette sorte d'arbre qu'on in appelle l'arbre kind of de vie, that we call the tree of life, cette espèce d'arbre se trouve pas seulement en Éden. It's not found just in Eden. Tous les arbres se situaient en Éden. Every tree was in Eden. Mais l'arbre de la vie, lui, the tree of life, c'est une catégorie se trouvant au milieu du jardin. Pas en Éden, mais au centre, au milieu du jardin d'Éden. Il y a différence entre le jardin d'Eden. There's a difference between the garden of Eden l'Eden. And Eden. Maintenant ici, and now here, l'autre espèce, the other kind, c'est l'arbre de vie, it's the tree of life, mais qui est au milieu du jardin. Which is in the midst of the garden. Quatrième espèce d'arbre en catégorie. Fourth type of trees, on l'appelle l'arbre, it's called the tree, de la connaissance. Of the knowledge. Mais cette connaissance est du bien, but this knowledge is the knowledge of good, et du mal, and of ensemble. Evil together. Lui aussi n'est pas en Eden. It's not in Eden. Tu vois tout autour de l'Eden, tu ne verras pas. Around Eden, you won't see that. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, the tree of the knowledge et lui of aussi good and evil, au milieu du jardin. In the middle of the garden. Mais le jardin d'Eden, alors c'est quoi alors? But then, what is the garden of Eden? Il dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And the tree of the knowledge of good and evil. S'est trouvé. Was found. Aussi au milieu du jardin. Also at the center of the garden. Mais nous restons avec une question dans notre and pensée. And we're staying with the question in our mind. La nourriture donnée à l'homme but créé. The food given to the created man. Qui a été incarné. That was incarnated. Dans un corps formé. Into a body that was parce que formed. Ici, because pour here, avoir l'humanité. To have mankind. Il faut le point d'incarnation. Dieu incarna l'homme spirituel God incarnated à l'intérieur de l'homme physique into the physical man qui était formé. That was formed. Et maintenant, and now, il y a une nourriture appropriée. That there's an appropriate diet. Il doit manger that they need to eat à quelque sorte d'arbre. To some kind of a tree. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Avançons un peu d'abord avec ce point. Now let's move on with this point. Au verset 15, verse 15. On dit que l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il avait formé. Man that he had formed. L'homme formé. The formed man. Pas l'homme créé. Not the created man. Mais faites attention, l'homme créé était déjà incarné à l'intérieur de celui-ci. Maintenant l'Éternel prend cet homme créé qu'il a formé. Il fait quoi? Il l'adopte. And adopts him. Il le place dans une position. Into a position. Faites attention. Pay attention. L'Éternel Dieu prit l'homme. The Lord God took et le plaça. And places le him. Placement. And places the man. La position d'adoption. The position of adoption. Il place l'homme dans that sa position. That he places the man into the position. Et il doit exercer. And has to exercise. Cette position-là. That position.
Il va faire un placement de cet homme. He has to make the placement. Et il le place où? And where does he place him? Pas en Eden. Not in Eden. Il le place dans le jardin d'Eden. Into the garden of Eden. Pour quelle raison? For what reason? Dans l'adoption et le placement de cet homme. In the placement of this man. Que Dieu a formé. That God had formed. Parce que si vous remarquez au verset 8, il dit, pour l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. The Lord God planted a garden. C'était du côté de l'Orient de l'Éden. Which was in the eastern side. Il y mit l'homme qu'il avait formé. The man that he ça c'était une mise en place. Il l'a mis là-bas. Being put in there. Mais ici, back here, il le place. It places. Il lui donne une position. It gives him a position. Et selon cette position, and according to that il position, doit cultiver that he has to till the ground, le jardin d'Éden. In the garden of Eden. Et il doit le garder. It has to keep it. Et c'est ça qu'on appelle l'alliance entre Dieu et Adam. And that's what we call the covenant between God c'est and Adam. C'est la toute première alliance. It's the very first covenant. L'alliance d'adoption. The covenant of adoption. Entre l'homme. Between man. Dans lequel Dieu incarna le créé. Incarnated the creator. Maintenant Dieu le place en now position God de fils. Him into a position of son. Pour exercer des choses. To exercise two pour things. Pour opérer des choses à cette place. To operate qu'il place. Trouvait le jardin là-dedans. To dress the ground. Et le garder. And keep it. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Et maintenant regardez. And now notice. Chaque fois qu'il y a une alliance. Every time that there's a covenant. Il doit y avoir une dispensation. There must be a dispensation. Or la dispensation. Are you a dispensation? C'est un test d'obéissance. It's a test of obedience. C'est une épreuve. It's a quand test. Quand Dieu te donne une alliance. When God gives you a covenant. Quand Dieu te place selon une alliance. When God places you according to il a covenant. Il y a un temps. Après ce commencement favorable. After the beginning the favor. Après cette position. After this position. Il va t'éprouver. That he has to test et, écoutez bien les mots. And now listen chez to the Dieu, word. Il éprouve. And God only tests and tries. He tests and tries. And if you be obedient to the covenant that is given you. But to Satan, it will come and tempt you. Satan n'éprouve pas. Satan doesn't Satan test ne teste pas. Satan doesn't Satan try. Tente. But tempts you. Il y a différence entre le there's test a difference between et the test tentation. And the temptation. Avant que je te dise peut-être une écriture qui peut t'éclairer ça. Before I read a quotation that would clarify maintenant que tu observes la matière du 16e verset. The material of the 16th verse. Après que l'Éternel Dieu. And after the Lord God. Et fait cette première alliance d'adoption d'Adam. Covenant of adoption pour le placement d'Adam. For the placement of Adam. Comme le fils adopté dans le jardin d'Adam. As the adopted son in the garden of Eden. Afin de cultiver et garder ce jardin. And keep this garden. On dit que l'Éternel donna l'ordre. God gave the order. Ce qu'on appelle l'ordre donné what par l'Éternel, the order given by the Lord, nous l'appelons aussi commandement. We also commandment. Dieu a parlé. And God had spoken. Ce n'était pas un mythe. It wasn't a myth. Ce n'était pas une imagination. It wasn't an imagination. La présence but de the Dieu, presence l'Éternel, of God, the était dans God les jardins was dedans. In the garden maintenant, of Eden, il donne l'ordre. But now he commanded il commande that à he l'homme the order to man qu'il avait placé. That he had placed him et there. Un autre terme, in another word, dans la révélation du message, ce qu'on appelle un ordre. What we call an order. Ce qu'on appelle un commandement. What we call a commandment. Nous l'appelons aussi we call it un cri de commandement. A shout of command. Et en anglais shout. And in English parce shout. Que la voix de Dieu. Because the voice of God. A parlé pour commander. Has spoken to command. Ce qui doit être ordonné à être fait. And be done. On l'appelle cri de and commandement. It's called a shout. C'est la voix de l'Éternel lui-même. It's the voice of the Lord. C'est le grand tonnerre de Dieu. It's the great thunder of God. Tonnerre pour donner l'ordre. And how is there to give et commander ce qui doit être fait. And what needs to afin be done. Que ça se réalise before comme cela. It, it's done. Nous voyons ici and I will see here un cri de commandement adressé à l'homme Adam adopté en Eden. Adopted in Eden. Il lui donne un cri de commandement. And he gives him a shout. Il lui donne un ordre. He gives him an order. Et qu'est-ce qu'il l'a commandé? And what did he command? Il dit, tu pourras manger de tous les arbres. And he said, of every tree of the garden you may freely eat. Il lui dit, de tous les arbres du jardin, of all the trees of the garden, tu peux en manger. You can freely eat. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Of every tree of the garden you may freely eat. Tous les arbres. Every tree. Donc,
Si on peut exagérer, if we can exaggerate, tu peux manger tous les arbres agréables à la vie. Tu peux manger tous les arbres bons à manger. Every fruit, every tree that is good. Tu peux manger l'arbre de la vie. The tree of life. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu offre Adam. But God il lui donne l'ordre de se refrainer to stay away from de ne pas manger cet arbre-là. From not eating from that tu peux manger tous les you restes can eat of all the other trees dans le jardin. In the garden. Mais but, quand tu as mangé l'arbre de la when connaissance du bien et du mal, the tree of the knowledge of good and evil, tu n'en mangeras you will pas. Not eat c'était from net. That was very tu ne mangeras pas that you will not de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. The knowledge of good and evil. Prenons le terme biblique. C'est manger term, de l'arbre. Is to eat off the tree. Quand on dit manger de l'arbre, when we say eating ce n'est pas the que tree, tu prends l'arbre, la plante là tu manges. That you take the plant and eat en d'autres termes, it means tu manges you're eating des fruits the de cet arbre. That are coming from that tree. Tu manges ce qui est reproduit that you're par eating cet what arbre is reproduced from that tree. C'est ça manger de l'arbre. This manger de l'arbre, c'est pas que tu vas prendre, on dit, tu peux manger de l'oranger. No, donc c'est-à-dire que tu vas prendre tout l'arbre oranger et en manger. Non, tu vas cueillir les fruits d'orange qui sont sur l'arbre oranger pour en manger. Le seul arbre défendu the only tree that was prohibited dans le cri des commandements, in the shout, dans l'ordre de l'Éternel, in the order of the Lord, tu ne mangeras pas that you will not eat l'arbre de la connaissance the tree du bien et du mal. Of the knowledge of good and evil. Mais écoutez pourquoi. But now listen why. Car le jour for the day où tu en mangeras, in the day that you eat of it, tu mourras certainement. You will surely die. J'ai besoin qu'on se saisisse but bien. Now I want us to understand each other there. Manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal the knowledge of good and evil est accompagné d'un avertissement spécial with a very special et solennel warning, and solemnly, la pénalité de la mort that the penalty éternelle. Of eternal death, tu manges à cet arbre that if you eat from ou that tu manges tree, de cet arbre or you eat of this il y a une mort certaine. That there's a dirt that is sûrement very certain tu vas mourir. That you're going to et die. Tu meurs le même jour and you die the same day où tu en manges. That you eat. There with the est-ce question, le jour de 24 heures is it a 24 day ou le jour is it a 24 hour day or is it dis, le même jour où tu en mangeras. Is it the day that you eat from that tree c'est à compter selon 24 heures is it to count according to 20 son coucher after the sunset et la nuit and at night, nous avons 24 heures pour former un jour hours to make où a day. C'est un jour de lumière is it a day ou un jour millénaire or mel- parce qu'aux yeux de Dieu because un jour est égal à 1000 ans a day aussi. Is equal to a thousand quel jour years? S'agit-il ici what is it about what day is it about here je suis retourné du voyage le matin du lundi. I came back here Monday morning. Je répondais avant que je me repose à certaines questions and que je parlais dessus. And I was answering questions before I slept. Le jour où tu mangeras, the day that you eat, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, the tree of knowledge of good and evil, sûrement tu vas mourir. You will surely die. Maintenant, c'est quel jour alors? But what day is it? Et comment le comprendre? And how to understand un jour de 24 heures? A 24 hour un jour day, de lumière? Or a day of light, ou un jour millénaire? Or is it a millennium? Regardez ici but I notice here, l'origine de la mort the physique. Origin of physical death, ou l'origine de la mort or éternelle, the origin disons. Of eternal death. C'est un avertissement solennel et spécial. It's a solemnly and a special warning. Est attaché that is attached à ce cri de commandement, to this shout of command, à cet ordre, to this order. Maintenant, remarquez bien. But I notice chaque cri de commandement, that every shout of command, est un ensemble d'ordres. It's an all together of orders. Divin, divine orders. Adressé à un peuple ou à quelqu'un d'alliance. That is addressed to another person or a people. Quand on dit cri de commandement, when you say the shout of command, ce n'est pas seulement un cri comme ça. It's not just shouting like that. Comme si on pleure. As if we're crying. Non, c'est Dieu. But it's God. Donnant des ordres. Giving the order. À être observé. To be observed. Pour bien garder l'alliance. So they can keep the covenant. Et le placement. And the placement. Ou la position. Or the position. Dans laquelle il t'a placé. In which you placed. Il y a un ensemble d'ordres. There's an all together of orders. Il y a un ensemble de commandements. There's an all together of commandments. Pour maintenir to maintain cette nouvelle position qu'il te donne. This new position he gives you. Et si nous remarquons maintenant bien. And if we notice. Depuis la création de l'homme. Since the creation of man.
Le cri des commandements donné à l'homme Adam, selon l'alliance qu'il a eue avec Dieu, n'a pas seulement la défense de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y a aussi d'autres commandements. Voilà pourquoi j'ai commencé au verset 26. Regardez le premier commandement et à ce commandement-là. On va observer de quel commandement Adam est-il tombé de sa position et de son alliance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Our own likeness. Il dit qu'il domine. Let him have dominion. Voilà pourquoi on a appelé ça l'image et la ressemblance des divins. C'est enfin de dominer, d'avoir la domination, de régner, de gouverner, de vivre, d'exercer son gouvernement. Ça, c'est le royaume. This is the kingdom. Adam était créé pour être quelqu'un du royaume. As being somebody of the kingdom. Avec l'ensemble pluriel des divins. With an altogether plural of the divine. Mais il dit, but it says, au verset 27, verse 27, il le créa à l'image de Dieu, à la ressemblance. So God created him in his own image. Ils sont en ensemble aussi, l'homme et la femme. The man and the woman he created. Donc cet Adam dont nous parlons, this Adam we're talking about, non excepté la femme, was not excluding the woman. C'est une charte de privilèges du royaume. It's a package of privileges and of the kingdom. Maintenant, verset 28, now, verse 28 nous donne maintenant différents commandements. Different commandment. Il dit, and Dieu saying, dit, and God said, en les bénissant, by blessing them, Dieu les bénit, and God blessed them, et il dit, and it said, soyez féconds. Be fruitful. C'est l'ordre donné it's par Dieu. It's the order given by God. C'est un commandement it's de Dieu. Commandment. Soyez féconds. Be fruitful. Deux, multipliez. To multiply. Trois, remplissez la terre. Replenish the earth. Quatre, assujettissez la terre. Subdue it. Et dominez. And have dominion. Soyez féconds. C'est l'ordre, un commandement de la parole parlée de Dieu par la voix du tonnerre de Dieu pour que cela soit accompli dans la vie de l'homme qu'il a placé et qu'il a créé à son image. Il doit être fécond. C'est l'ordre divin. Il doit multiplier. Il doit remplir la terre. Il doit assujettir la terre et la dominer. Donc dans le chapitre premier, now, in chapter one, qui est le livre de la création, which is the book of creation, on a vu quatre grands commandements that were so for great commandments, qui sont donnés à l'homme Adam. That are given to the man, Adam. Mais dès qu'il l'incarne, je sais pourquoi j'insiste, dès qu'il incarne l'homme créé dans le corps poussière de terre, il ajoute ground, un cinquième commandement, a fifth commandment, unique à son genre. Unique of his kind. Je te donne cet ordre. And I give you this order. Tu ne mangeras pas à l'arbre de la you connaissance du bien et du mal. The tree of the knowledge of good tu pourras and manger evil. De tous les autres arbres. And you can eat from all the other trees qui sont dans le jardin. That are in the garden. Mais quand à l'arbre but when it comes to the de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. You will not eat de peur que les jours où tu en manges, the day you will eat, tu mourras certainement. You will surely die. Combien de grands commandements que nous avons ici? How many great commandments je répète pour la bonne compréhension. I repeat for a good quatre grands commandements four great commandments. Ont été dans l'écrit des commandements donnés à Adam. That was given to Adam. Il n'y a pas d'adoption. That there's no adoption. Parce que celui qui t'adopte, and now it qui t'investit dans le royaume, and il doit te donner les ordres de ce que tu dois opérer, exercer selon cette position-là. According to that position. À l'homme créé, to the created man, quatre grands commandements, four great commandments, et à l'incarnation dans la poussière de la terre, to the incarnation un of grand the dust commandement of the ground, est donné. A great commandment is given. Et si tu as bien compris, if you understood, avant qu'on puisse ajouter une deuxième compréhension, before we add a second understanding de here, tous les cinq commandements, of all the five commandments, que je répète, that I'm repeating, soyez fécond, be fruitful, multiplier, multiply. Remplissez la terre. Replenish the earth. Quatre. And four. Assujettir et dominer sur la terre. And have dominion.
Quatrième commandement est aussi comme double. Assujettir et dominer sur and la have terre. Dominion over. Et cinquième commandement and a fifth commandment, ou ordre divin or the divine order, ne mangez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Ayez attaché un avertissement and there's a warning tu vas mourir to that. Une mort éternelle. Otherwise you would die in eternal death, certainly. Le jour où tu en mangeras. The day that you shall eat. Maintenant, de tous ces commandements, of all the commandments, quel est le commandement sous lequel Adam tomba dans la Adam chute? C'est un cri de commandement avant la chute. Alors, qu'est-ce qui a causé la chute? But what caused the fall? On doit regarder dans la liste de ces commandements list of that commandment pour voir to see de quel commandement Adam a failli Adam et est parvenu à la chute. And came to the fall. Et nous voyons que but now we see il n'y a que deux commandements that there are only two commandments sous lequel Adam tomba under which Adam fell dans la chute. In the fall. C'est manquer d'exercer la it's like domination. To exercise the dominion. Je suis en train d'aller à un éclaircissement. I'm going to a clarity there. Quand Dieu te donne une position when d'autorité position pour l'exercer, to exercise that, en d'autres termes, in other words, voilà pourquoi nous avons pris deux and that's what we took dans two. Le quatrième commandement. Tu dois assujettir la then terre et dominer sur la terre. En d'autres termes, ne cédez pas cette place à quelqu'un d'autre don't qui n'est pas toi. C'est donné à toi. It's given to garde you. Ça jalousement. Keep that jealously. Ne laissez pas cette position être ravi par quelqu'un d'autre. Don't leave that place to be taken away by another person. C'est ici où il faut une autre intelligence. It's here where we need another chaque understanding. Chaque fois que Dieu t'élève à une position, that every time the God raises you to a position, chaque fois que Dieu te place à une position, every time God puts you to a position, n'oublie pas. Do not forget qu'il y aura des batailles, that there will be battles, soit de jalousie, either of jealousy, soit de haine, or of hatred, parce que une position d'autorité d'adoption, a position in authority, n'est pas vraiment quelque chose qu'on donne comme un gift. Cannot be something that is given like a gift. Et cela ne plaît pas tout le monde. Not, that même not dans ton environnement, le cercle le plus proche even de toi là, circle, il doit être soit quelqu'un. Ou quelqu'un there might be one or qui va jalouser cette position-là. Et si tu n'es pas prudent, il peut t'insinuer, il peut utiliser de certaines politiques. Kind of soit, s'il n'était pas écroulé de cette position-là, tu ne trouves que le manque d'être placé comme toi, and because they fear to be placed il like peut seulement you, s'infiltrer they can just infiltrate et t'amener à désobéir and bring you to disobey, et que vous ratiez ensemble. And vous that you can miss it together. Nous voyons rien parce qu'il a choisi le privilège. Because he didn't get that privilege. C'est ici où la haine, where hatred, la jalousie, jealousy, et la méchanceté jouent un grand travail. And even wickedness plays c'est a big role. C'est pas n'importe qui. It's not anyone. Qui a une telle grâce? Who has such a grace? Si tu n'es pas prudent, if you're not prudent, si tu n'es pas sage, if you're not wise, soit either tu vas rater cette position, you're going to miss that soit position, quelqu'un d'autre va le ravir, ou quelqu'un d'autre va l'infiltrer, or somebody else is going to infiltrate, ou brancher, se brancher, but et commencer à te sucer ce que tu peux avoir comme privilège. And begin to bring what you might have as privilege. En d'autres termes, in other words, le quatrième commandement de l'homme créé, c'est que assujettir la terre, exerce la domination, et ne l'a donné à personne autre. And it's not given to any c'est intitulé à toi, because it's only sous given une alliance, ce n'est pas une place que vous allez vous diviser. It's not a place that you're going to divide on, be divided. Écoutez, j'insiste. And our listener insists, même pas tes parents, not even your parent, ne leur passe de ça. Don't even give that in to them. Ce n'est pas donné à tes parents, it's c'est not given à toi. To your parent, it's given to you. Tu dois faire un effort that you must make pour sauvegarder sure cette position. How to serve God c'est là où position. Une position d'adoption a position of est sous alliance avec Dieu a covenant with God exige une sagesse, requires wisdom, exige une connaissance, requires knowledge, exige une prudence, requires prudence. En disant ne la cédez pas à quelqu'un d'autre. But saying, do not give Dieu it in to another person, God knew que Lucifer, that Lucifer, après avoir raté aussi sa position having celle, lost his position in jalousera l'homme. Will be jealous of man.
Voilà pourquoi une autre prédication, je t'ai montré comment quand Dieu a placé Adam et Ève, après un temps, il a commencé à leur envoyer des anges pour les prévenir contre l'insinuation de Satan. Parce qu'il jalousait cette position. Tu marches comme ça, tu ne sais pas que Benzaku Bingin, some of your friends, the hate or against what God has done for you. C'est ici la sagesse. It's here the wisdom. L'intelligence. Intelligence. Et aussi la prudence. And also the prudence. Comment peut-on sauvegarder ce que Dieu nous a fait? How can we safeguard ce que Dieu nous a donné? And what God has given us. Et sur ce sous une alliance. Under a covenant. Faites attention à ça. Pay attention to that. Mon dernier insistance. My last point of insistence. À ce point. To this point. Nous sommes en train de voir que Adam est tombé de toute cette liste des cinq grands commandements, de son cri de commandement. Il est tombé de deux grands ordres ou commandements. Quatrième, assujettir la terre et dominer. Il est tombé à cela. Deux, il a mangé à l'arbre. He ate from the tree that was prohibited. Ce sont ces deux derniers commandements. These are the last two commandments qui ont écoulé Adam de sa position d'alliance. Adam from his position. Mais écoutez mon insistance. But now listen what I'm insisting on. Surtout le cinquième commandement. Especially the fifth commandment. Manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. The knowledge of good and evil. Pourquoi? And why? Avant que je prends deux écritures if ici. I take two scriptures here. Laissez-nous commenter sur cela. Let me comment on that. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. The tree of the knowledge of good and evil. C'est un commandement spécial. It's a special commandment. Et ça continue à être un problème même contemporain aujourd'hui. And it continues to be a problem even today. Si on s'écoute bien, if we're listening, Adam a brisé les deux derniers commandements, Adam broke the last son cri des commandements, with a shout of command. Et il l'a fait où? And where did he do c'est it? Dans le chapitre que nous allons it's lire maintenant. The next chapter that we'll read. Nous entrerons dans Genèse chapitre 3 pour voir Genesis comment les deux derniers commandements ont été brisés. Et regardez. And I'll see. Et de tous les cinq commandements, all the five commandments, le dernier commandement ou the le last cinquième commandment or the fifth était la source de la tentation. Was the source of the temptation. La source de tentation. The source of temptation. Je ne dis pas source de test. I'm not saying the source of le the test. Le test, c'est du côté de the Dieu. The test is on the side et preuve d'obéissance, and c'est du côté of de Dieu. Obedience from mais God. Satan, de tous les cinq commandements, all the five commandments, la source des tentations, the source of temptation, la porte ouverte par laquelle Satan peut pénétrer pour te faire écrouler, c'est le cinquième commandement. His fifth commandment. Et je suis en train d'insister pour quoi? Dans l'enseignement qu'on a introduit la phase, Branham nous parle aussi du 11e commandement qui est la béatitude oubliée. That is a forgotten beatitude. Voilà pourquoi nous insistons. And now why we're insisting. Ici nous sommes au 5e commandement, we're on the fifth commandment, du cri des commandements d'Adam. The shout of commandment of Adam. Il nous dit de ne pas manger à l'arbre de Noël parce que c'est là les commandements qui a son sein, that's the commandment, la source même de la tentation du diable. Source of the temptation of the devil. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Pourquoi le cinquième commandement est spécifique? Why is the fifth commandment verse specific? C'est la source de tentation. Because that's the source of temptation. Deux. And two. C'est là où and this is where la volonté de l'homme that the will of man peut être traversé, can be crossed, peut être pénétré, can be
can be penetrated. Pour tomber de la volonté to de Dieu. Fall from the will of God. C'est à ce cinquième commandement que le diable peut utiliser that the devil can use pour que tu accomplisses ta volonté so that propre you can fulfill your own will et tu mets à côté la volonté de Dieu and pour put toi. Aside the will of God. C'est à ce cinquième commandement. It's to this fifth commandment. Tu peux traverser that you can cross sur la volonté de Dieu on the will of God pour n'utiliser que ta propre volonté. To only use your own will. Troisième élément a third element de grande importance. Great importance. Pourquoi le cinquième commandement est spécifique? The fifth commandment is very specific. Laissez-moi te répéter. And let me repeat to you. Le cinquième commandement the fifth est spécifique commandment is specific parce qu'il est la source de la tentation du diable. The temptation of the devil. Deux. And two. C'est parce que it's because c'est le cinquième commandement it's the fifth commandment où tu peux where you can traverser you can cross tambuka. You can cross volonté à Mungu, the will of God to Mungu. Fulfill yourself well. C'est dans le cinquième commandement. It's in the fifth commandment. Et écoutez, and now listen. Troisièmement, thirdly, c'est parce que le cinquième commandement it's because the fifth commandment suscite la curiosité humaine. Brings out the human curiosity. Si vous voyez Muntu. If you see a person, mina tafuta kwenye vumbula iki kuzi. Always curious to discover something. Cette curiosité là, il n'a la bouka comme Muntu. C'est la matière du de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. It's the material of the tree of the knowledge of good and evil. Toute curiosité qui se suscite dans l'homme pour satisfaire sa volonté, pour satisfaire ses désirs, cette curiosité qui s'élève dans l'homme. En d'autres termes, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'homme. Donc, la matière du cinquième commandement est là même à nos jours et dans notre humanité. Nous sommes influencés beaucoup par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et faites attention, ce n'est pas un arbre naturel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie au milieu du jardin, le jardin d'Eden est beaucoup plus métaphysique. Le jardin d'Eden est beaucoup plus surnaturel et théophanique. Que les deux arbres en son sein ne sont pas des arbres naturels, sont des arbres spirituels, métaphysiques. Parce que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Tu ne peux pas dans ce monde actuel me montrer où se trouve l'arbre de la vie et comment il se reproduit selon son espèce. C'est un arbre mystique. C'est un mystère. Ça relève du monde métaphysique. Ça relève du monde inconnu à la pensée humaine. C'est au-delà de notre pensée humaine. Mais les effets de ces deux arbres nous impactent toute notre humanité. Tu manges à l'arbre de la vie, les conséquences et les effets de cela, c'est que tu as une vie éternelle. Tu manges à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les effets et ces conséquences, c'est que tu as la mort éternelle. L'autre a la vie éternelle, l'autre a la mort éternelle. Et c'est à cela que l'humanité fait face that the mankind is facing dans toutes les générations in all the generations après la création after et la formation the creation de l'homme. And the formation of man. Et voilà pourquoi and I'll see why, comme c'est spécifique since it's very specific, source de tentation the source of temptation, insinuation de comment utiliser ta volonté propre ton of libre how arbitre use yourself will and your free will, et ton état moral consciemment in your moral state consciously. I know God has spoken it, but I don't want that because it's not the privilege of what I want. That's where the tree of the knowledge of good and evil is. Every feeling and every curiosity that is rising is the evidence of the tree of the knowledge of good and evil. To the incarnation of man dans un corps poussière de terre, into a body dust of the ground, commandement spécifique. There's a specific commandment. Ce de ne pas manger à cet arbre. It's not to eat from this tree. Et conséquence. In the consequence. Dans l'avertissement spécial. In the special warning. Pour que tu aies que ta
que ton cœur, ton âme, so that your soul, quand tu écoutes cet avertissement, heard, que cela cause en ton cœur un respect, une discipline pièse en toi, a discipline in you. De ne pas laisser de telles choses t'arriver. Of toi, not letting dans such une discipline pièse propre et dans un respect, in respect. Causé par comprendre que cause il y a un understanding avertissement spécial qui risque une mort éternelle sûrement. Which is almost a sure death. C'est pour cela que and that's why j'avais lu that I read, et je peux commencer à répéter ça and I can start repeating avant that que j'aille dans Genèse 3. Before I go in Genesis chapter 3. Regardez ces deux citations là-bas. But now see these two quotations. J'ai lu ceci dans Qui est ce Melchizedek? I read this in the message with this Melchizedek. Qui est là? Are you there? Écoutez. Now listen. Frère Branham dit dans Qui est Melchizedek? Brother Branham saying the message, who is this Melchizedek? J'ai lu le verset 9. I read paragraph 9. Et je vais lire aussi verset 3. And I also read paragraph 3. Peut-être, si ça va me demander, de reprendre 2, 3. Il dit, je remercie chacun de vous pour les cadeaux que vous m'aviez donnés. And he said, I thank everyone for the gift that you've given Billy me. Billy m'a apporté cet après-midi des cadeaux. Billy just brought me this afternoon. Et la plupart étaient dans des boîtes. Several of them in the boxes. Des bonbons. Candy. Etc. And so forth. Mais l'un de ces cadeaux one of them représentait les béatitudes. Was the beatitude. En parlant de béatitude, but speaking of the beatitude, et de la béatitude oubliée, of the forgotten beatitude, je voudrais pénétrer I would like to go deep la phase de qui est into the phase of who is this Melchizedek. L'un des cadeaux qui m'ont été offerts, one of the gifts représentait was les béatitudes, was the beatitudes, avec une image with de the Christ. Picture of Christ. Parce que ici, faites attention, il y a faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu the et son image Fils, of God and his son. C'est l'image de Christ. It's the image of Christ. Et à leur ressemblance. Into the likeness. C'est dans les béatitudes. It's in the beatitude. Que c'est quoi l'image that de Christ. That shapes the image of Christ. Le principe du royaume the de Dieu. The principle of the kingdom of God. Quoi l'image de Christ. That shapes the image of Christ. Écoutez. Now listen. Avec une image de Christ with placée. With the picture of Christ worked in it. Le placement de cette image the de Christ. The placement of this image of Christ. À l'intérieur de béatitudes. Into the beatitudes. C'était le sermon sur la montagne. It was the sermon on the mount. L'image de Christ, the images of Christ, the image n'est pas se reproduire à l'intérieur que quand les béatitudes, only when the béatitudes, et surtout la béatitude oubliée, especially the forgotten beatitude, ont été réellement représentées, that were truly represented, placées à l'intérieur, placed inside, et c'est ce qui s'est fait au niveau Melchizedek. And this is what is done to the level of Melchizedek. Frère Branham dit c'est vraiment beau. Brother Branham said that's really good. Et je vous remercie it's beaucoup. It's certainly beautiful, and I certainly thank you. Il y avait tellement de choses que je ne sais and comment so vous les remercier. That I don't know how much to thank you. Votre parrainage, votre financement des réunions, nous apprécions certainement tout we ça de notre cœur. Et hearts. Que le Seigneur vous bénisse and richement chacun de vous. Bless each one of you richly. Tu es là? Are you there? Verset 3. Paragraph 3. Le cinquième commandement. That the fifth commandment. Or, commandement, c'est toute une béatitude. Yet a commandment is a whole beatitude. Parce que ça encaisse un bonheur, because un bien-être suprême et ultime. Une bénédiction. A well-being, a blessing. Le secret de ces bénédictions. The secret of that blessing. Et c'est ce qui coiffe l'image de Christ à l'intérieur. Il dit, it says, maintenant, bénis-nous ce soir. And bless us tonight, Seigneur, comme nous parlons de ta as parole, we speak of thy word, puissions-nous garder notre promise chungaro yako. That we can keep our heart or nurture them. Ndan yaro yako. In your heart. Ufanya ro yako. L'endroit où tu peux garder ce que Dieu t'a promis. Make your heart a place that you can nurture what God has given you. C'est dans ton cœur.
your heart, si ton cœur n'est pas là, if your heart capable is not there, de garder à son intérieur, but keeping it inside, les promesses que Dieu nous a données, the promises that you've given us, deux, and two, les chérir cherish avec respect, with reverence, trois, and three, y obéir avec obey une discipline really vraiment godly discipline, real godly discipline. La bénédiction, the blessing, la béatitude, beatitude, fait partie des commandements part pour of the commandments la domination, for the dominion, pour le royaume. For the kingdom. Donc, les bénédictions now, the blessings, au niveau du royaume to the love of the kingdom, et comment les vivre, and how to live ce them, sont des béatitudes. These are the beatitudes. Ça, c'est différent de n'importe quelle bénédiction. It's different from any other type of this. Mais ça exige un état de cœur. But it requires the set of heart. Capable d'être gardien des promesses. Deux, a guardian of the promises. Comment chérir cela avec respect. And how to cherish that with reverence. Trois, comment and three, obéir how to obey les grands tests de l'Alliance, the great test of the covenant, grande dispensation, great dispensation, comment obéir how to obey à ces promesses to these promises avec une discipline vraiment with pièce. Real godly discipline. Car nous le demandons said, for we ask it, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen. Voilà des secrets ici. Those are the secrets. Maintenant, avançons. But now let's move on. On a entendu dans le tabernacle, we've heard in the tabernacle que quand le Seigneur descend du ciel, that when the Lord comes down from heaven, il descend avec trois choses. And he comes down with three things. Cri des commandements. A shout. Voix de l'archange. The voice of the archangel. Et la trompette de Dieu. And the trumpet of God. Mais qu'est-ce qui est contenu dans but les cris des commandements? What is contained into the shout? Le cri des commandements, the shout, c'est un ensemble d'ordres divins. It's an all together of the divine orders. Pour des béatitudes, for the beatitudes, qui reproduisent l'image et la ressemblance de Dieu pour son royaume adopté. Who is adopted king? Repeat that. Cri des commandements, the shout c'est of command, est-ce what is, it's a God that come down. Trois choses three things que Jésus fait pendant qu'il descend du ciel. Ça se trouve où? 1 Thessaloniciens 4. Est-ce qu'on peut relire ça? If we can read that. Regardez 1 Thessaloniciens 4. Now let's look at 1 Thessalonians 4. L'épouse reçoit son cri de commandement dans 1 Thessaloniciens 4. The bride is receiving the shout of command in 1 Thessalonians 4. Et ça a faire aux béatitudes. And that has to do with the beatitudes. Pour la reproduction de l'image de Christ. For the reproduction of the image of Christ. Placé à l'intérieur de ces béatitudes. That will come down out of this beatitude. Adam avait perdu cette position. Adam had lost that position. C'est à l'épouse de l'exercer maintenant. It's to the bride to exercise that. Et c'est une phase and en it's Dieu. A phase in God. Nous insistons. Nous sommes chez nous. We're insisting. We're home. Pour ceux qui veulent saisir. For those who want to understand. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Chapter 4. Vous pouvez commencer à 13. You can start from 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. But I do not want you to be ignorant, or, ils sont décédés concerning pourquoi? Those who have fallen c'est parce asleep. Qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est mangé. The knowledge of good parce and que evil la mort mankind, because death vient de l'arbre de la connaissance du mais evil. Regardons le verset 16. But now look at verse 16. Le Seigneur lui-même, for the Lord himself, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même, but the Lord himself, a un cri de commandement. Will descend with a shout. L'anglais dit shout, cri des commandements. A shout. Une autre tradition française another dit French translation un signal donné. A given signal. Deux, and à la voix de l'archange. With the voice of the archangel. Trois, au son de la trompette three, de Dieu. With the trumpet of God. Descendra du ciel. And will come down from et heaven. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Trois choses. Three things.
déclenche le mystère de la résurrection de ceux qui étaient morts. Of those who are dead. Ils sont morts they are dead à l'arbre de la connaissance du bien et ils ressuscitent à l'arbre de la vie. The tree of life. L'arbre de vie, c'est Christ lui-même. It's Christ himself. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la personne de it's Satan. The person of Satan. L'arbre de vie, c'est la personne de Christ. It's the person of l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la personne de Satan. La relation, comment la personne de Satan peut incarner dans une relation spirituelle donnée et trouver une place de demeure en toi. A place of dwelling. La relation de comment la personne de Christ person peut incarner dans une relation surnaturelle. C'est ça le secret qui est ici. Ce sont des points d'incarnation dans les relations into et le rapport entre and ton homme intérieur et qu'est-ce qu'il incarne. And what incarnates him. Nous avons la personne we've de Satan person of Satan et la personne de Christ. And the person of Christ. Nous avons l'image de we Satan images et l'image de Christ. And the images comment of Christ. Ton âme I will your et ton esprit and your spirit peuvent être un élément, can be an element, un centre de point d'incarnation of the point of de ces caractéristiques du diable characteristics of the devil, ou comment ton âme your et ton cœur peuvent heart, être un lieu, place, élément d'incarnation pour les caractéristiques for de Christ, Christ à l'intérieur de toi. In you. C'est ici un secret. It's a secret. Or, and yet, c'est pour cela maintenant, and that's why now, pour aller tout droit au but, to go right to the target, le vrai jardin dedans, the true garden c'est votre état d'âme. It's your state of soul. C'est le sein de votre âme. It's the womb of your soul. Mais on a pas bang mauvais les gars n'engari. Tout le quoi n'enda. Pasteur ou n'habitish. Le vrai jardin d'Eden. The true garden of Eden. C'est l'état et la source de ton âme. It's the state and the source of your soul. La seconde niyako. The soul in c'est you. Tout un jardin. It's a whole garden. Il n'est pas coupé tambe kouya kwa Satan. It can have the seed from Satan. Na pour y reproduire comme un sang. And have it as a woman. Inenzo kupata mbeku ya kwa Mungu. Can have a seed of God. Reproduce that. Parce que c'est des arbres. Because it's a tree. Dans un jardin. That will reproduce in a garden. Qui est au centre. Which is at the center. It's a state of your soul. Qu'est-ce que le sein de votre âme? What is the womb of your soul? Reproduit comme arbre. And that reproduces as a tree. C'est le sang de votre âme. It's the womb of your soul. Qui est le vrai sens. Which is the true sense. Du jardin à l'intérieur de Dieu. The garden in you. Or l'Éden. And yet Eden. C'est un lieu de délices. It's a place. C'est un lieu de bénitude. A place. C'est un lieu de bonheur. A place of happiness. C'est ton âme. It's your soul. Qui est le grand secret. Which has a great secret. Pourquoi ta vie. And what is your life. Ne peut pas être révolutionné. Can I be revolutionized. Comme un lieu de délices. As a place. Comme un jardin de délices. Ça dépend du fond de ton âme. But that depends with the depths of your heart, of your soul. Ne vois pas d'abord comme un lieu géographique. Don't see as a geographical place. Non, c'est une condition métaphysique. Because it's a metaphysical condition. Qui a fait au point d'incarnation dans ton âme. That has to do with the point of incarnation in your soul. Et dans l'état de ton esprit. And the state of your spirit. C'est surnaturellement. It's supernaturally. Métaphysiquement. Metaphysically. Et théophaniquement. And theophanically. Que on peut make sense of that. That we can make sense of that. Well, j'ai besoin de tenter quelque chose ici. I'd like to try something here. Wow. Pourquoi je suis allé si vite comme ça? Parce what? Que c'est la tristesse qui commence déjà. Why did I go so quick? It's sadness that is beginning already. Bon. Attends, attends. Adam et Ève. Adam and Eve. Ils ont brisé ces deux commandements. They broke these two commandments. De leur cri de commandement. Of their shout of command. Dans le chapitre 3. In chapter 3. J'ai besoin qu'on remarque un élément dedans. Well, I like us to notice an element in there.
Avant que j'ajoute peut-être deux écritures, before I two other scriptures, et peut-être arrêter, and maybe stop, que je sens déjà une tristesse qui vient ici. A sadness that is already coming up here. C'est pas pourquoi. I don't know why. Mais laissez-moi vous informer. But let me inform you. Que ta tristesse n'arrêtera pas cet enseignement. That your sadness will not stop this teaching. Mais au contraire, on the contrary, c'est destiné à te sauver. It's destined to save you. Dans cet état qui t'attriste là. In that state that saddens you. C'est ici. Écoutez bien ce que now je vais déclarer. To this. C'est ici. It's here. Le salut des derniers jours. The salvation of the last days. Peut-être tu es venu à la parole. Maybe you came to the word. Peut-être que tu as cru à cette parole. Maybe you believed this word. Tu t'es contenté à un autre niveau de conscience que you tu es sauvé. You are happy to another level of consciousness. Et pourtant tu n'avais que le salut selon les âges. But yet you only had the salvation according to the church. Le salut de notre âge. The salvation of our age. C'est un autre point de conscience. It's another point of consciousness. Et c'est ça ce que nous voulons épingler. And that's what we like to clarify. Si tu n'es pas sauvé selon cet âge. That if you're not saved according tu es l'âge du temps de la fin. Which is the age of the end tu peux te contenter du salut des âges passés, mais tu es age. Toujours dans la mort. But yet you are still in death. Tu ne peux pas ressusciter. You cannot resurrect. Beaucoup meurent sur le banc de nos tabernacles. Many are dying on the chairs of our tabernacle. Pensant qu'ils vont dans la vie éternelle. Thinking that et pourtant, in eternal ils life. Se retrouvent que quand ils quittent seulement leur but corps, yet, they find that malgré when les tabernacles, just ils n'ont jamais tabernacle. Été sauvés. Nothing was said. Des pasteurs, the pastors, des ministres the ministers, et des croyants and the believers, assis dans nos tabernacles, in our tabernacles meurent sur le banc de nos tabernacles dying on the chairs of our churches and their lives. Ils n'ont pas atteint l'expérience du salut the experience of the salvation of our day. Qu'est-ce qui te consolera aussi? What will comfort you? Si ce n'est le salut de ces derniers jours. If it's not the salvation of these last days. Et comment avoir la conscience and de ce salut. The conscience of the salvation. Ok. Je retourne dans Genèse 3, là où ils sont tombés et brisés ces deux commandements. I'm returning in Genesis 3, la domination where they have fallen, the dominion, et manger à l'arbre and eating from the tree de la connaissance du bien et du mal. Of the knowledge of good and evil. Regardez un élément. But now see an element here. Que j'ai besoin de faire appel à votre conscience. I would like to call to your consciousness. Et écoutez comment je commence. But now listen how I start. Satan, and Satan était une créature was a creature parmi les rangs d'anges. Among the rank of angels. Il fut créé comme un chérubin. He was created as a cherubim. Et il fut adopté dans le domaine des anges, ou le monde avant Adam. Adopted into the rank of the angels, the world before Adam, the pre-Adamic world. Yeah. Celui qui était établi, the one that was established, celui qui était adopté, the one that was adopted, pour conduire ce monde spirituel so that he can d'ange. Lead this spiritual world of angels. Il a agi aussi comme un roi, he also acted as a king, ou comme un souverain sacrificateur, as a high priest, pour ce monde angélique, for that angelic un chérubin protecteur. And he was a cherub protector. Il avait reçu une mission. Received a mission. C'est comment manipuler la lumière ou le feu de Dieu. And was how to handle and manipulate the fire of God. Mais son fond. But his depth. L'état de son âme. Instead of his soul. L'état de son cœur. Instead of his heart. N'était pas correspondant. Was not correspondant. Au lieu de travailler. Instead of working. Aux lois de la lumière. To the law of light. Satan est allé lui. But he went. Comment dans sa curiosité. Out of his curiosity. Travailler les lois des ténèbres. To work into the law of darkness. Et il est devenu maintenant le chef du monde des ténèbres. The ruler of the world of darkness. Mais en son sein, but in his womb, Satan n'a pas la puissance de création. Satan doesn't have the power of creation. Ni le pouvoir de transformation. Nor the power of transformation. Il s'est retrouvé que found himself il n'avait pas la capacité that he did not have the capacity de créer un être to create a comme being, Dieu en crée. As God creates. Ni de prendre ce que Dieu a créé et transformer created, à un autre devenir. Satan n'a pas becoming. Ces deux. He did not le have pouvoir that. Créateur the creative power et transformateur and transformative power n'appartient qu'à Dieu. Was only belonging to est-ce God. Qu'on est ensemble? We're together. Alors, il est allé faire
une mission stratégique and then he went to make a strategic avec une autre créature with another creature parmi les bêtes. Among the bees. Et on l'appelle le serpent. Or, ce qu'on appelle serpent ici, c'était un homme it was a man. Préhistorique prehistoric de ce temps-là. Of that, a prehistoric ce n'est pas man of that pas rampant. It wasn't a serpent. C'est un mystère ici. On dit que le serpent était le plus rusé. Not the serpent was the most cunning de tous les animaux de champ. Of all the animals of the field. Regardez la field, champ. Et que l'Éternel avait fait. Which the Lord God had found. Pour que tu vois que ce n'est pas un serpent en pont. You won't see that il was avait la a capacité. Snake, because cunning. He had a capacity. Il pouvait avoir la capacité rusée. He was so subtle. Il avait la connaissance même des principes de la vie. Brother aucun Brennan serpent said he had the principle of life. Deux. And two, il parle. He spoke, he could talk, il dit à la femme. And said aucun to the serpent, serpent naturel no natural serpent can speak. Mais celui-ci, but this one il a la capacité qu'on appelle cunning, ou qu'on la connaissance des principes de la vie. The knowledge of the principle de of life. C'est un serpent parlant. Yeah, the serpent was speaking. Un langage language compréhensible selon la connaissance de la femme. Il dit à la femme. And then said to the woman. Maintenant, écoutez. Now listen. Dieu a-t-il réellement dit? Did God really say? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Of the garden. C'est ce que le serpent rampant. What kind of a serpent il a this? La connaissance du cri des commandements. Of the shout. Qui était donné what comme cinquième commandement. Parce que c'est la source de la tentation. Le serpent vient tenter au cinquième commandement. Tempt to the fifth et il en a connaissance. And he has the knowledge. Il en répète même. He even repeats ça, c'est pas un serpent rampant. That's not a serpent that was walking on the belly. C'est un être. It's a being. Mais ayant une place d'âme. But yet having a place for the soul. Il va vendre cette place à Satan. He goes to sell that to Satan. Pour tromper du côté so de Dieu. On the side of un religieux. A religious man. Un connaisseur. Un rusé. All-knowing. C'est and pas un serpent naturel. Not a natural serpent. Et il a aussi. And he also has. Le pouvoir de reproduire. He had the ability to reproduce with man. Le cinquième commandement est la source de la tentation du diable. Il vient frapper à cela. Voilà la preuve. That's the proof. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Et on a donné toutes les catégories d'arbres. Quel est le serpent? What is this serpent? Non, le serpent c'était un instrument. The serpent was just an instrument. C'est un corps. It was a body. Semblable à l'humain. Like to human. Et qui a même à son sein that even une as place womb, d'âme, a place to un moyen soul, de se reproduire. A way to reproduce. Alors Satan qui n'avait pas le pouvoir de reproduction the power of ou de transformation, or transformation, il va coopérer then une mission d'alliance a mission of covenant, que je ne prêcherai pas aujourd'hui. That I won't preach today. Leur plan stratégique de comment écrouler l'homme. Of how to destroy et on en a plusieurs sur and nos we had more, we have more, many of them in our churches. Comment on peut insinuer? How we can insinuate? Et ils se sont dit, voilà la bonne stratégie. That's a good strategy. Il faut prendre une grande partie de vérité. We need to take a big part et of ajouter the truth. Un petit mensonge. And just put comme a un peu lie. De levain peut lever toute la pâte. Just like a little leaven that can on rise the whole dough. Des gens qui ont laissé leur place d'âme place soul, être incarnés par des caractéristiques du diable et ils agissent en serpent, and they're acting like a serpent mais pour tromper du côté but de Dieu to deceive on the side of God. You find them in the church. Ujumbe ya wakati to the message voilà of the hour and that's why message ya mwisho nabie kuna kuye pour the last message Brother Branham comes to prison c'est la trace du serpent it's the trace of the serpent on the rock. Even to the message. Et faites attention. Now pay attention. Si tu n'es pas sage, if you're not wise, tu n'es pas prudent, if you're not prudent, tu n'as pas cette connaissance, you don't have that knowledge. Ils sont en train de ramper sur le rocher. They're working on the rock. C'est pour combattre la position. To fight the d'adoption. Position. Of adoption, comme chez Adam et Eve. Like to Adam and Eve. Mais nous leur disons, but we're telling them,
Adam et Ève tomba. Adam and Eve fell. Mais l'épouse des derniers jours but the bride of the last ne tombera jamais. Will never fail. On va faire face à cette réalité. And we're going to face that reality. Et à ces face à face parmi nous-mêmes. In this face to face. Dieu a-t-il réellement dit? Did God really say? Oh, laissez-moi te dire encore. Let me read again. Est-ce que je peux aller comme je l'ai posé lundi à ceux qui me posaient des questions au téléphone? Can I go like the way I was being asked the questions on my... Quel est le premier péché? What is the first sin? Qui a été commis sur la terre? What was the first sin premier that was péché. Committed on earth? Tu me regardes bien, tu réponds. Ok, je savais que tu me regardes. Non, ce n'est pas l'ingrédient. Le premier péché, c'est quel péché? The first sin. Je suis ici pour que votre caméra sentinelle me voie bien parce que and je vais le déclarer camera to see me. Si vous pensez que je vais craindre votre caméra, partout camera, ça ira. Everywhere that nous would connaîtrons go. Où est-ce que nous nous tenons avec les messages. Where we're standing with mais the tu connais le premier péché qui était commis sur la terre dans l'Éden? Non. Good job. Ingrédulité, adulté. Beaucoup de nos frères, c'est comme ça qu'on many nous a... Brothers, ce que vous dites là, c'est comme ça qu'on nous a prêché tout ce temps. We've been preached this whole time. Le premier péché commis en Éden, the first sin committed ce n'est ni l'ingrédulité, was an unbelief, ce n'est ni adulté, was an adultery, c'est le ministère. It's the ministry. C'est ecclésiastique. Qu'est-ce que vous n'avez pas? C'est le serpent. The serpent. Qui commence à prêcher à la femme d'Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Tu sais que c'était sous quelle onction? Wanda, et quel, Wanda avec quelle cravate? Regardez-moi bien. Now, beaucoup de serpents the many of the qui s'infiltrent sur le rocher de ces messages, ils se présentent toujours en ministre. They are presenting themselves as a minister. C'est l'Ecclésiaste. It's the Ecclesi- qui est le premier péché? Which is the first sin? C'est commencer un ministère. He's starting a ministry. Destiné à être une source de tentation. To be a source of temptation. Des âmes incarnées par Satan, but incarnated mais ayant des ministères. By having the ministry. Ils peuvent vous prêcher à 99%. They can preach 99%. Mais ils ne prêcheront pas la parole mot à mot. Preach the word word parce qu'ils n'auront pas la totalité de la parole. The fullness of the derrière là. Behind that. On t'amène à une tentation. C'est ça le premier péché. C'est l'Ecclésiaste. Tout ce qui tombe sans salut aujourd'hui, ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas la boisson. It's not because of drinking. C'est un ministère but du serpent. Of the serpent. Il est le premier à commencer le ministère. To begin preaching. Le ministère ne commence pas dans Ephésiens 4. With ça commence avec le serpent. Il connaît même les cris des commandements. The shout of command. Dieu a-tu réellement dit? Did God really say? Bon, où est-ce que toi tu étais quand nous faisions cette réunion autour de l'arbre de vie? On était que moi, mon mari et la présence de Dieu. Il a des révélations. By this honest revelation. Ce que nous nous sommes dit dans une réunion secrète avec notre Dieu. In a secret meeting with God. C'est l'Ecclésiaste. Qui est le premier de péché en Éden. The preaching which si is tu fais, va lire bien Éden de Satan. Go read in Satan's Eden. Éden de Satan, c'est quoi? C'est Satan qui est venu it's avec Satan l'Ecclésiaste comme ministère, mais destiné à prendre une grande partie des vérités et à passer un mensonge. Les mensonges, c'est quoi? Dieu a dit, si tu manges à cet arbre, God tu meurs sûrement. Lui vous ne mourrez pas. Saying you will not die. Mais le reste, c'est la vérité. But the rest is the est-ce truth. Que Dieu n'avait pas parlé à Adam et Ève au sujet des arbres à manger? Oui, c'est la vérité. Et je peux voir comment Ève vous dépasser. Dès qu'il a commencé, Dieu a-t-il réellement dit Amen? Ah, celui-ci a des révélations. This one has the revelation. Mouyibamba, moupeleke. Si je me trompe, je lis ici. And I'm reading here. Va lire aussi Eden de Satan. Frère Branham a dit, le premier péché n'était pas un péché ordinaire. C'était l'Ecclésiaste. C'est plein maintenant. It's full now. On a tafuta kuingiria à Branham que mon canis. Attaque vous de présenter comme ministre. Present as a minister.
Anatafuta kuma kuibia kule kanisa badaifikisha kwa Mungu. He wants to see from where God, the church has reached, who come through ministry. Le premier péché est ecclésiastique, c'est pas ordinaire. It's not an ordinary sin. As a result of the first sin, which is the preacher. Cela, and si that's why, pas la if you don't have parole, the conscience of the word, you'll always be deceived. Jardin d'Eden, but the current garden nous voyons les dents de Satan. Where we see Satan beaucoup de milliers de gens adorent Satan dans les églises sans le savoir à cause de les dents de Satan. Because of Satan's Eden. Satan accomplit aujourd'hui le but qu'il avait. Va lire bien là-bas. Il dit, il est adoré par des milliers. Il l'a raté pour faire écrouler le royaume de Nan et de Michael. Il est avec les églises. Dieu a-t-il réellement dit, c'est le ministère. Mais pas le ministère de Christ, but not the ministry of Christ, mais du serpent, but of the serpent. Connaissant la parole, knowing the word. Okay, pasteur, achambere tu tuenda kumambo ya michi. Let's go to the issue of the trees, pastor. But you don't see the one in your soul. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Un serpent parlant, interprétant la parole, un serpent ayant un ministère et la connaissance des principes. And the knowledge of the divine principles. Et même de ce que Dieu a parlé en réunion avec la femme. Mais pourquoi tu n'es pas? Dieu lui a prêché l'homme et la femme. The man and the woman. Mais toi, comment tu vas prêcher seulement la femme? But how are you only going to preach the woman to the woman? Pourquoi tu n'as pas attendu toi prêcher tous deux? And where to go preach to both of them? Pourquoi tu n'as pas voulu prier pour tous deux? Pray for both of them? Non, tes onctions, but your anointing, tes prédications, your preaching, ta connaissance de la parole, your knowledge pareil, of the word, ça la source des tentations derrière. As the source of temptation behind. Bibi wa benyo tulu. Ucho kutoa bila Mungu anafanya mwenye kizazi. Oh, do you know what God did Mungu in this age? Me koma umubiri na bwanake. But were you not preaching that to her with her husband? Na we bibi. And you the wife. Hautafunge kukinywa. Working to shut your mouth. Mochungo tutazungumza ile mambo pale bwanangu ana. When my husband directement. And directly. Unakuwa na we Pastor Rose. And you also become Pastor Rose. Ndio mnaanza ku ye anatosha yake ba mistake. And he brings the mistake. Wewe natosha yako umuprove ke atashi bana mke hata mvile bana tuchingisha kuhubiri. Tuko connaissance. But we also know it. Pastor Rose. Pastor Rose. Alors Pastor Rose commence. And our Pastor Rose begins. La femme répondit au serpent. The woman answered to the serpent. Nous mangeons de fruits de tous ces arbres. We may eat of all the trees of the garden. Qui sont dans le jardin. That are in the garden. Nous l'avons brambi et quoi, ce que c'est magané biotenini. Who told you to start saying all of that? Tente de livrer ma secret ingine. You're going to give us some secret. On ne t'empoisonnera que dans ce que on sait que c'est ce que tu aimes. They will only be poisoned in what they know that you like. Why didn't you wait to ask my husband? Tomorrow, you will see a charity that brings the food. On ne t'empoisonnera que dans ce qu'on sait que tu aimes. You only be poisoned into what they know that you like. Other wives have sold everything because of talking and being too talkative before the serpent. You know, even when we're taught this way, in that message, those things, you don't play with the serpent like that. You'll just distract you very soon. Nous mangeons
du fruit. C'est ici maintenant. We may eat of the fruit. Il ne dit pas nous mangeons de l'arbre. Not the nous tree. Mangeons but du so we may eat of the fruit. Manger de l'arbre, eating of the c'est tree. Manger son fruit. It's eating its fruit. Maintenant, il faut savoir parmi les fruits that among qui the étaient fruit, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, the quel of est le fruit, fruit qu'on a cueilli et mangé? What is the fruit that parce qu'il y a made? Plusieurs fruits many sur un arbre. On a tree. Nous mangeons du fruit des arbres. We're eating of the tree, du jardin. Of the fruits of the tree of the garden. Mais quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. But of the fruit of the tree which Dieu is in the midst lui-même, of the garden. Dieu a dit lui-même, il le cache aussi hein, saying, pour voir s'il va tomber. Au lieu de dire seulement quand ton fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il le cache aussi un secret. Dit quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il y a des arbres. On a mon vide avec la foyer, on a bougé, on a observez Ndumba ibidi mihetangani, itiye nsa nungu. And I'll see when two herds meet, what they do. Uya na landa na hivi, uya na yana mulanda hivi, na bala landana. And they lie to each other. Uya na mufochama na hiki, wana kama tafungula hivi, uya na yana mungo hivi, kumbi banafungulana. Yet they're trying to know each other. Dis clairement Eve. Just speak clearly. Et de ne pas manger l'arbre de la connaissance. Quand ton fruit qui est au milieu, il y a des arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien du mal. Quel est cet arbre spécifique? What is a specific tree? Ana mufanya na yebujanja. Mwa bujanja ni mwenye bujanja. Mana patana. They're both playing each other. Je dis ça parce que faites attention. I'm saying this because pay attention. A person can lie to us. Kama ni mwanaume, if it's a man, anikalaka mu Kristo. That it's a Christian. Nabii anasema mchunge muone kile atakowaka. The prophet said, wait until you see where he marries. Mtu anaweza kutulanda ni Mkristo mwanamke. As a female Christian. Hapana muangalie biote. Don't look at all of that. Muone ule atechika mwao. Which is going to reflect. Because they're going to reflect and be shown by their fruits. Et vous découvrirez and you will discover que les gens ne se marient qu'entre eux. That people just marry among each other. Or be marrying of the same kind. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Of all the trees of the garden. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, but when it comes to the Dieu tree a dit, in the middle of the garden, vous n'en mangerez point. Dieu a dit. God said, et vous n'y toucherez neither point. Neither shall you touch it. De peur que vous ne mouriez. La source de la mort, man. The source of death. Sa conséquence est là. The consequences. Est-ce que tu es encore là? Are you still there? Je pense que je ne lis pas ici pour te faire comprendre la première prédication qui ait jamais été prêchée sur la terre en Éden, mais c'est pour te faire découvrir quelque chose. Écoutez encore les mystères du ministère de Satan. Alors, le serpent dit à la femme, and then the serpent said unto the woman, vous ne mourrez point. Ye shall surely, ye shall not surely die. Vous mourrez certainement. A person that is coming to you can take everything. Mm-hmm. But behind what they're bringing, there's just a little bit of living. Even the things that the pastor is saying, it just starts a little bit. But just, c'est juste chercher un peu de contradiction. Just trying to find a little bit of contradiction. Et je peux dire que and I can say many of you here have already la prédication du serpent, the understanding of the serpent. Il apporte 99 Brother Branham say it brings 99.99 of the truth. Ce qui est mensonge, what is a lie 0.01%. C'est pas facile. Not c'est easy. Ça les mensonges qui se disent. That's lui, the lie that is c'est 0.01%. C'est là Jésus dit un peu de levain just a little bit of leaven will rise the whole. Vous ne mourrez point. Yes, sir, surely not die. Mais écoutez, mais Dieu sait. But God knows. Dieu connaît. But God knows. C'est que ça parle d'une connaissance divine. Dieu sait que
Le jour, nous ne savons pas des 24 heures ou du millénaire. We don't know if it's a 24 hours or millénaire. But the day that you shall eat. Now listen to what he said. Vous mourrez sûrement. That you said lui remplace maintenant. Vos yeux s'ouvrent. Then your eyes will be opened. And I mean now, Louis. Your eyes is going to be opened. Is it the natural eyes that Eve had? What kind of eyes was it? The day that she would eat. Instead of dying, but your eyes will be opened. But what kind of eyes is that? Je dois n'y avoir pas. Oh, ah. On a passé, on n'a pas de quoi en oublier. You know when the pastor is preaching, I don't know what's happening in the church. My eyes just opened. What eyes? These natural eyes. Oh, on a quelque chose quoi parler, quelque chose quoi parler. Or didn't you see what was there? What eyes did you see with? No, Mungu akafung. Una na connection Mungu ndio alifungua ngani. Who told you that God opened the eye? Tafunguka. Oui, on sait les jours où vous en mangerez vous mourrez certainement. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait les jours où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront. Quelle sorte de yeux? What kind of eyes? Si moi j'étais Eve ce jour-là. If I was Eve that day. Si yo yeye shaka kufungua mikono kuona. That he opened, I can see. Una ndevu ya hivi. You got the sun. Na gravati ya hivi. In this time. Na unasoma brochure fulani. And you read this message. Mimi na wapi? I can see. What eyes is it then? Since they knew that the one who tested never died, they knew what they were talking about. Vos yeux s'ouvriront. That your eyes will be open. Écoutez encore ensuite. Now listen again. Deux. And two. Vous serez comme Dieu en majesté. You will be like God. C'est pourquoi je plante ça. And that's why I'm saying that. Dans d'autres traditions, in the other translation, vous serez comme des dieux. You will be like God. Or des dieux au pluriel, gods, c'est Elohim. It's Elohim. Elohim, c'est le pluriel des dieux. Elohim is a plural of Elora, God. C'est le singulier des dieux. But that will be a singular of God. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Elohim c'est is le God pluriel royal de Dieu. That will be the royal plural. Vos yeux s'ouvriront. Your eyes will be open. Et vous devenez and comme Dieu. You will become like God. Comment? And how? Connaissant le bien et le mal. Knowing the wrong and right. Dieu peut connaître le bien. Can God know wrong? Et le mal. The good and evil. Et comment? And how? Nous savons que le mal. Yeah, we know that evil. On le connaît. We know it. Quand une loi est au-dessus de toi qui te contraint de ne pas faire ça, it, et tu tombes à cette loi-là, y a-t-il une loi qui peut maintenir Dieu à tomber d'une loi alors il connaît le mal? Pourquoi Eve, tu n'as pas la sagesse? Why tu n'as pas de prudence de comprendre que beaucoup n'a qu'une guiche mon boulot, je suis sous toque. You're being bewitched and you're taking that with your eyes open. Oh, we're going on the side, no, but right to your face. Vous serez comme de Dieu. You will be like un, God. Les yeux vont s'ouvrir. Your eyes will open. Deux, vous devenez comme de Dieu. Until you become like en connaissant God, le bien et le mal. The... Il faut une autre profondeur. Maintenant, verset 6. La femme vit. And the, when the woman saw. Ça, c'est la vue. That this is the alors, sight. Et la vie avec quels yeux? What eyes did she see with? La femme vit. And when the woman saw. Que l'arbre that était the tree bon was à manger, good regardez. For food. Bon à manger, that was good for food. L'arbre là. That the tree. De connaissance des biens du mal. Of the knowledge of good and evil. Bon à manger, was good for même food. Caractéristique. Deux. And two. Agréable à la vie. Ça se trouve ici. And pleasant to sight. L'arbre de la connaissance applies bien into the eyes. The tree of the knowledge of good and evil. Les autres catégories en includes ensemble. All the other categories in itself. Agréable à la vie. Acceptable to the sight. Bon à manger. Good for food. Et écoutez la suite. And now listen. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. And good to open ça, understanding. Ça ne se trouve pas dans les
caractéristique qu'on a mis là-bas. This is not the other characteristic. Mencho kumbi bana semi na funguka. The eyes that we're talking about. Ni mencho ya akili fulani. It's the eyes of certain thing. Or wisdom. Ni mencho ya uwazo fulani. It's the eyes of thought. Ni mencho ya conscience. It's the eyes of the conscience. Yuko presie Dieu a kufungula akili fulani. It's precious to open a certain level of understanding. Tu comprends que c'est pas naturellement. Then you understand that's not natural. Ndio pale unaona kingine kachao kidogo. Ah, unaona pale tunaendaka mu monde tu unaangalia hivi ignorant. You're sitting there ignorant without even understanding. It's more smarter for the other world. Se presser à ouvrir l'intelligence. Ça, c'est une catégorie spéciale cachée à l'intérieur de cet homme. Et il dit, and it says, alors, and then, il prit it took son fruit en mangeant. And eat. Tena, je pense que alikuwa anakula pole pole mbele yu aona kama inamuingisha mwili onction yaye. If you take her into the anointing. Et à la fin, and at the end, va en donner à son mari. Also give to her husband. Qui était au padel. Et il a mangé. And he ate as well. Mais regardez une surprise. But now she is surprised. Satan told them, if you eat your eyes with the open, Mungu. And you'll be like God. Mais regardez une surprise. But now she is surprised. Que j'appelle déception. That I call it deception. Anakuria, and les yeux de l'un and et l'autre the eyes of both of them were open. They did not become like God. They knew that they were naked. You see the one that you see. I knew they was clever. Open his eyes and be like God. But the Bible says, when the eyes were open, they had another disappointment. Not of becoming what the devil told them. They found themselves somewhere else. And since they found somewhere else, attention, je te lirai une citation and dans I cet tell enseignement. You that the read a covenant condition with the Brennan saint. That's what happened to the Pentecost. They spoke in tongues. They were told. It's the evidence of the Holy Spirit. But they found themselves empty and are still sealed. And without the Holy Spirit, since they don't have it, many were like that. They will build that religion for themselves. Une religion de leur salut, religion of their salvation. Ce qu'ils se font comme être sauvés, what they're making themselves un salut que Dieu ne leur a pas donné, a salvation that God did not give un them, salut religieux, a religious salvation. Bana fuchama mu tendance fulani, they'll hide in the belief, bana fuchama mu doctrine fulani, they'll hide in the doctrine, bana fuchama mu bien œuvre religieuse fulani, they'll hide into the religious spirit. C'est exactement, but the soul is exactly les caractéristiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, the characteristics la personne of de the Satan, truth, the knowledge of good and evil, incarné, infiltrated, et reproduit incarnated dans le and reproduced, la région des feuilles de figuier, the real making themselves up bana the leaf of the fig tree, they sew themselves naked, bana they don't have clothes on. Bon, mais là, quand on dit nous, but now when they say naked, et pourtant, avant, and yet before, est-ce qu'ils avaient des habits? Did they have clothes on? Bon, et quelle sorte d'habits? What kind of clothes did they have? Parce que à Laodicée, because to Laodicea, il a dit, je te conseille de prendre le collier, de l'appliquer sur tes yeux, afin eyes, que tu voies, so that you can see, et que tu ne sois pas nu. And that you won't be naked. Tu es nu sans le savoir. You are naked and et pourtant not. Ça, yet, écoutez bien, c'est manque du corps, du revêtement du corps de la résurrection. It's lack of the clothing of the body of the resurrection.
Est-ce qu'on s'écoute bien? We're understanding. Ici, il est question de la mort It's a question of et death de la résurrection. And of the resurrection. On meurt dans un corps, come into on a ressuscite body dans un corps. And resurrect into il one est question du revêtement. It's a question of the clothing. Ils se sont retrouvés dans une religion into a religion sans corps de résurrection. Without the body of the resurrection. Écoutez encore bien. But now listen again. Ils se sont retrouvés found themselves dans un message, into a message mais sans la théophanie. But without the theophany. Ils se sont retrouvés dans une révélation du message, mais ils n'ont pas la face de Melchizedek. Ils sont nus. Ils n'ont pas un revêtement. They don't have the clothing. Donc ici, and now here, tu peux me dire que Dieu m'avait créé. You can tell me that God created comme me le premier homme. As the first man. Tu peux me dire que Dieu you m'a formé. Comme le second homme. Il y a un autre but homme mystérieux. That c'est le revêtement Melchizedek. It's the clothing of Melchizedek. C'est ce corps-là. Que quand tu ne l'as pas, when you don't tu have es nu. Then you're donc, nous prêchons le salut de dernier jour the par rapport days au troisième homme. In relationship le to the premier third homme man, the first man, avait la forme d'une lumière blanche. The form of a white le light. Deuxième homme man, avait la forme de quoi? Form. Je pense pourquoi je fais ça. I know why I'm doing that. Mais quelle était la forme du troisième homme? What was the form of the third man? Qui peut corriger ce que j'ai fait de okay, je l'ai fait sciemment. Il y a ceux qui n'étaient pas là those dimanche there, quand je prêchais ça. Sunday when I was preaching that. Bon, retournons. Now let's go back. Le premier homme, the first man, c'était un esprit invisible. Was an invisible spirit. Le deuxième homme, the second man, la lumière blanche. Was a white light. Le troisième homme, the third man, une nuée blanche. A white cloud. Tu peux être au tabernacle. You can be in the tabernacle. Tu te caches dans la religion tabernacle. Hide in the religion. Tu connais des tendances. You know the beliefs. Tu connais des doctrines. You know the doctrine. Et des points du message. And the point of the message. Mais si tu ne rêvais but pas le salut au niveau du troisième homme, of the third man, depuis que la nuée de gloire est venue, the cloud of glory has come on nous a prêché qui est ce Melchizedek. C'est une phase pour un autre revêtement. For another clothing. Aujourd'hui, avant que je vienne, today before I came, il m'était donné. It was given to me. Si je commençais comme j'ai commencé, c'est parce started, que plusieurs n'étaient pas là, ni dimanche, ni pendant la semaine. Sunday, week, mais la chose qui m'est donnée pour commencer avec, with, c'est une question, question qui a été donnée à Branham. Was given to Brother Branham. Où était Jésus? Was, where was Jesus? Où était Jésus? Where was Jesus? Alors que son corps when his body était attaché à la croix. Was on the cross. Même Jésus. Even Jesus. Il a fallu qu'il se déshabille he du corps de la Vierge Marie. On l'a cloué à la croix. That was nailed on the cross. Alors, il est entré dans un autre revêtement. Le corps de Melchizedek. C'est avec ce corps-là qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est revenu. Il a libéré ceux qui étaient captifs dans le paradis. Et il est ressuscité le troisième jour à l'aube de ce jour de la résurrection. Maintenant, regardez. On voit le troisième pôle. Les sceaux révélés. Et un prophète nous dit and a prophet telling les hommes qui sont en prison the souls that mais les gens ne comprennent pas. Comment les hommes sont en prison maintenant et nous sommes sur nous. Or, les hommes en prison, the souls that were in prison ont été prêchés par les corps de la Vierge Marie not by the body of the mais le revêtement Melchizedek, but the clothing of Melchizedek pour la résurrection de Jésus for the resurrection of Jesus. Où t'as koufoua you will die to this tree mais aukura kuyiyi but you don't have the body Angaria, to the other one. Now look. Your eyes are open now. Tu n'as pas un corps. But you tu don't n'as have pas a body. Habit. You don't have a clothing. D'où? Where? Que je sois chez Dieu. Either be to comme God. Un homme créé, as a created ce n'est pas man. Salut complet. It's not a complete salvation. Que j'expérimente chez le même Dieu. The same God, un homme formé, a formed man. C'est pas tout. It's not all. Écoutez-moi comment je suis en train now, de partir. I'm going. L'homme qui était formé the man that was formed, pour qu'il prenne une conscience so that he can take consciousness, il a fallu le choquer. He needed to be shocked.
C'est comme aujourd'hui. It's like today. Quand quelqu'un tombe dans une crise cardiaque, falls into nous a avons heart attack, un appareil. We've got a machine. Nous le mettons au mucularium. We'll put on the chest. Nous le mettons au choc. Alors, for them, for the heart il est électricité et à courant, il est again will bring them back. Cet homme formé était là et mort. Was there a steel there? Frère Branham a dit, je peux voir ses orteils dans le sac. I can see his toes. Maintenant, in the, il a fallu que Dieu souffle le souffle de vie. Put the breath of et il sursauta pour off, prendre conscience so dans les cinq sens. In the five senses. C'était tout un choc. There was a whole field. Et regarde-toi aussi. When I look at you, si ton corps formé body, dans la biologie humaine human biology, est né à la maternité, et si les mêmes souffles n'entrent pas, on te choque même par les trois choix. Bam, bam, bam. Et si and if, et rien nothing, ne répond à ce choc, response to that, then you're still or la mort, and you're dead. C'est le fait de manger l'arbre. It's the fact of eating to the tree. Mais la résurrection, but the resurrection, c'est se revêtir, it's being clothed, de l'habillement de l'arbre de vie, of the clothing of the tree, qui of Christ, which is Christ, l'image de Dieu, the image dans of God, béatitude à l'intérieur, in his beatitude. Leurs yeux s'ouvrirent. The eyes opened. Ils ont eu conscience de leur propre salut. They had the conscience of their non own salvation. De leur propre perdition. But of their own perdition. Nu sans habit. Born without clothes. Il a fallu une compassion divine. It needed a divine compassion. De faire une connexion à l'agneau. Of making a connection. Immolé avant la fondation to du monde. The lamb slain before the foundation of the world. La rédemption. But that will come for the redemption. Dieu va maintenant immoler un agneau. And now God is going et prendre to les arts, le peau et le sang et couvrir and cover et se représenter l'amour rédempteur represent dedans. The love. Pour que Adam so that Adam soit prévenu d'une certaine manière. To be prevented in a certain way. Mais la conscience du salut but n'était pas là. Of salvation, même pas de repentance. Not even repentance. Une âme sans repentance. A soul without repentance. Et ne connaît même pas les effets not de la repentance. Ni bouddhange, il y a religion. Non, il a fallu une compassion divine. It needed a divine compassion. Mais regardez Abel. But now look at Abel. Son âme et son cœur étaient connectés à une repentance. Was connected to a repentance. Les yeux s'ouvrirent. His eyes was open. OK. Mais qu'est-ce qu'ils remarquèrent? But what did they notice? Qu'est-ce qu'ils connurent? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme reconnaissance ou connaissance? Recognition? Ils ont eu la connaissance. They had the knowledge. Qu'ils n'ont pas d'habit. That they don't have the clothes. Et ils ont commencé à coudre eux-mêmes des feuilles de figuier. And they begin to sew for themselves with fig tree leaves. Et se mettre des ceintures. And putting on the belts. Habit à bambe, mouille les consciences. It's not going to hold in that process. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. And then they heard the voice of the Lord. Le même Dieu là est revenu dans la scène pour un jugement. The same God came back for a judgment. Ça commence à parcourir. And la it même to voix du cri des commandements of the est venue pour leur jugement. Came for their judgment. Ça nous lira après cette présence-là. That we read later for that presence. Voilà un secret ici. And I'll see a secret here. Je dis j'ai besoin de clôturer. So I'd like to close. Je suis sûr que mes deux points sont saisis aujourd'hui. I'm sure that my last two points have been understood. Je fais un effort d'arrêter à 21h. I tried to stop by 9 p.m. Je mets à côté deux citations que je devais lire. I put two quotations on the side. Je lis une seule ici pour aller à la prière. I read here the same to go to prayers. Frère Branham dit, Brother Branham says, dans qui est ce Melchizedek? When, who is this Melchizedek? Toi, tu peux commencer à 68. You can start from 68. Moi, j'ai besoin d'une citation d'abord pour aujourd'hui. I just need one quotation for today. C'est 70. It's 70. Bon, regardez. Oh. Bon, ça, il commence à cette phrase au point 69. Il dit, regardez bien. And he begins from 69 and say, regardez see, bien. And now see. Il dit,
cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement. At the beginning. Et cela prouve la prédestination de Dieu. God. Il dit, voyez-vous, he says, see, vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Unless if you're a thought. Et vous deviez être premièrement dans la pensée. In the thinking. Et vous voyez, first, and see, maintenant, vous deviez être premièrement dans la pensée, you have to be in the thought, mais vous voyez, but you see, pour passer à la tentation, in order to stand the temptation, et qu'est-ce qui est la cause de la tentation? What is the cause of the temptation? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. It's a tree of the knowledge of good and evil. Pour passer à la tentation, you see, in order to stand temptation, vous avez dû contourner you la théophanie. To bypass the theophany. Vous avez dû contourner le corps parole. You had to bypass the word Melchizedek. Melchizedek. Pour venir dans la you chair, had to come down here in flesh, afin de passer par to la be tentation. By sin. Vous aviez dû descendre and ici dans la chair you came here in the flesh, pour être tenté to par be tempted le péché. By sin. Et alors, and then, si vous péchez, you stand, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Will come to me. C'est Jean chapitre 6. That's John chapter 6. Je le ressusciterai au dernier jour. On verra dernier jour we'll c'est quoi. Last day, what is vous it? Voyez, mais vous devriez être d'abord là. But you had to be there first. Et alors, and then, vous voyez, she, lui Jésus, he, il est descendu suivant la ligne habituelle, right down allant de la tribu, passant la théophanie, so the et of the allant maintenant à la chair humaine. The, il était une théophanie avant the, la chair humaine. Before the human mais vous, by you. Vous aviez contourné les corps paroles théophaniques, Melchizedek. Vous êtes venu seulement dans la chair humaine. Right, pour quel but et pour quelle raison? Que vous passiez à so la tentation. Que vous soyez éprouvé par le péché. Il y aura maintenant troisième citation que je lirai après ça. Pour être testé aussi par la parole. Il dit, avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole théophanique. Puis, il pouvait apparaître et disparaître. Et alors, il est devenu la chair. Jésus est allé attribuer théophanie, la chair. Et après, il est reparti. Il est ressuscité. Il a ressuscité ces mêmes corps-là dans un état glorifié. Mais vous, vous avez contourné la théophanie. Vous êtes devenu un homme chair pour être tenté par le péché. Alors, si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, si ce corps de chair est détruit, earthly tabernacle be dissolved. Nous en avons déjà un autre corps, we have one, un autre revêtement, another clothing qui nous attend. Already waiting. Nous n'avons pas encore les and corps. We have not yet the bodies. Ce qu'on est nu. Which means we're naked. Si on n'a pas encore ce corps-là. If we don't have this body. Si ton âme quitte ce corps. If your soul is to leave the quel body. Quel corps va te recevoir alors? What body is going to receive you? C'est ici le temps où tu dois prendre conscience it's de the time where you have to take conscience ton propre corps. What is your own body waiting? Regardez. And see. Lorsque ce corps physique. That when this physical body. Reçoit l'esprit de Dieu. The spirit of God. L'esprit yamungu na incarné dans the spirit of God in you. La vie immortelle. The mortal life. Est à l'intérieur de inside vous, of you qui a ma foi de what is important when you're still alive in this body to have the evidence of the word of God in which there's a life that is not there and to enter in there. Kile kinaingia ndani yako kile we're entered in you. Ni maisha ya shipo kufa. It's a life without death. Iko ndani yako kabisa. God is in you. Mina ikute. When I listen. Va commencer à prendre ce corps physique et le soumettre à Dieu qui est à l'intérieur. Frère Branham s'est crié. Alléluia. Hallelujah. J'ai dit je vais arrêter ici. On ira petit à petit. Thoughts, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.